Donc l'année de transition, oui. Bien oui, difficile de faire de la retenue à la source sans passer par l'année de transition. Pourquoi ? Parce que ce que je vous disais, 2018, en ce moment, vous payez, vous allez payer votre, vous êtes en train de payer votre impôt sur les revenus de 2017, qui sera calculé de façon définitive sur la base de la déclaration que vous allez déposer au printemps. Et puis en 2019, vous allez dès janvier 2019, en tant que salarié, commencer à payer votre impôt sur les revenus de 2019. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, en 2019, vous allez payer votre impôt sur les revenus de 2019 et en 2019, ben, vous allez aussi payer votre impôt sur les revenus de 2018. C'est bien deux impôts différents, hein, parce que c'est deux années de revenus différentes. En revanche, ça veut dire que vous auriez eu un double prélèvement au titre d'une seule et même année, l'année 2019. Donc, en fait, on va venir effacer votre impôt sur les revenus de 2018 en ce qui concerne vos revenus courants, dans le sens de vos revenus non exceptionnels, dans le champ de la réforme. C'est pour ça qu'on parle d'année de transition et pas d'année blanche.